Bonjour et bienvenue à ce nouveau vidéo de Connaissez-vous. Avant que le vidéo commence, je vais vous donner une brève audio description de ce qui va se passer pendant ce vidéo afin de vous donner une idée de son déroulement. Au tout début, nous allons voir plusieurs scènes d'une salle de spectacle avec plusieurs plans de caméra afin de montrer cette salle de plus de 25 000 personnes. Il y aura d'ailleurs des plans où l'on voit les gens de près. Ils regarderont après un certain temps vers le haut, où l'on aperçoit des anneaux de lumière qui brillent. Les gens sortiront même leur téléphone cellulaire pour en prendre des photos et vidéos. Ensuite, lorsque vous entendrez le thème de l'émission commencer, nous débuterons à voir Martin, soutenu par une anneau de lumière dans les airs, descendant tranquillement vers le sol. Après un certain temps, l'anneau, un coup rendu au niveau d'une plateforme, s'arrêtera pour y laisser descendre Martin, qui se dirigera ensuite vers la scène tranquillement. Lorsque la musique du thème de l'émission terminera, Martin se retournera et fera face à la foule en délire. Il fera ensuite son discours. Un coup son discours terminé, la musique du thème repartira et Martin ainsi que des danseurs se mettront à danser sur la musique. Nous y verrons plusieurs plans tout au long de cette danse. Le dernier plan de caméra sera un zoom sur une larme glissant tranquillement sur la joue d'une dame. Merci et bonne écoute. Depuis déjà presque 3 ans, le projet Connaissez-vous existe pour vous présenter des personnes avec des problèmes de vision qui font quelque chose d'intéressant dans la vie. C'est sûr et certain que les personnes qui restent dans leur salon ne passeront pas à l'émission. Les personnes qui demeurent régulièrement dans leur sous-sol n'auraient probablement pas de quoi raconter pendant 1 heure à mon micro. C'est pourquoi les gens qui font quelque chose et qui sont intéressés à venir nous en parler sont les bienvenus. Pour débuter la nouvelle année, j'ai déjà des gens qui ont accepté de participer, mais sachez qu'il me reste encore quelques places. Les personnes qui m'ont déjà dit non, mais qui accepteraient de changer d'avis, sachez que c'est possible. Ceux qui seraient gênés de parler au micro, sachez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une expérience. Je dirais même que vous allez très facilement oublier la présence du micro. Ça serait vraiment un plaisir pour moi d'avoir la chance de vous accueillir à mon projet.